Être maître, mais alors ça contient tout, sinon on n'est même pas vivant, il ne faut pas faire ce métier, la respiration. Et la respiration n'est pas la gymnastique suédoise ou comme certaines speakerines, etc. La respiration, c'est la prise de conscience de la sangle abdominale, là où il y a la base de tous les sentiments, là où on fait l'amour, là où on accouche, là où on a peur. C'est de ça qu'il faut être le maître, c'est ça qu'il faut posséder. Et cette respiration est binaire, c'est-à-dire que nous, je dis nous parce que ce sont mes maîtres qui me l'ont appris, on parle d'inspire. C'est-à-dire qu'il y a l'inspire et l'expire. Ce sont ces deux mouvements-là qui font la respiration de l'individu. Et quand on est au haut de l'inspire, on peut aller au bout de sa pensée, on peut aller au bout des verbes, on peut aller au bout des mots, puis après il y a les reprises de respiration. Bon.